De la Sagesse Brésil, tout d'abord, a commencé dans sa mission en 1960. Et dès le début, elle a cherché les filles de Sion, une congrégation de religieuses françaises qui ont commencé cet établissement avec Monseigneur Luis Hado, le fondateur. Et comme ça, ils ont commencé à faire de la francophonie une chose vivante, c'est-à-dire c'était le langage quotidien de tous les élèves. Que ce soit les circulaires, que ce soit les rencontres, les enfants vivent dans une atmosphère francophone. C'est ce qui leur permet un jour de ne pas seulement considérer que le français, c'est un moyen de réussir au bac ou c'est un moyen de participer vraiment à quelque chose de très important. C'est la francophonie en elle-même. Tout ce qu'elle charrie avec elle, pas, toute la culture qu'elle charrie avec elle, la langue française. Et tout cela, c'est parce que tout est fait en français. En premier lieu, vers 1950, le projet initial était de construire une église, mais l'archevêque a proposé de construire une école. Avec le temps, l'établissement a regroupé trois autres parcelles sur lesquelles s'est élevé le terrain couvert du petit collège et le nouveau bâtiment abritant aujourd'hui le cycle secondaire. La congrégation religieuse de Notre-Dame de Sion, représentée par Mère Aline de Sion et le premier supérieur du collège, Monseigneur Louis Hallou, ont pris en charge la direction de l'établissement. Alors, toute cette démarche de francophonie dans le collège, en commençant avec les religieuses de Sion, a été couronnée par obtenir l'homologation du ministère de l'Éducation nationale en France en 1998. Et depuis, le collège de la Sagesse Brasília est un collège homologué partenaire. La semaine de la francophonie organisée annuellement par le collège met en valeur la créativité, l'innovation, la coopération et le travail en groupe chez les élèves afin de promouvoir la langue française et la diversité culturelle. Ainsi, des projets et des activités sont mis en place par le département français qui permettent aux élèves de s'épanouir et de bien maîtriser la langue.